La valeur d'un immeuble inscrit au rôle d'évaluation foncière comprend celle du terrain et du bâtiment. L'évaluateur détermine la valeur réelle du terrain comme s'il était vacant. Il analyse le marché des immeubles qui ont fait l'objet de transactions pour établir la valeur de l'immeuble. Il soustrait la valeur du terrain à celle de l'immeuble pour déterminer la valeur du bâtiment. C'est la valeur de l'immeuble qui doit attirer l'attention du propriétaire. Le terrain et le bâtiment forment un tout. C'est sur cette valeur que le compte de taxe est établi. Quel facteur explique une hausse plus importante de cette valeur? Elle est influencée par le marché immobilier à la date de référence. L'inflation, la rareté des propriétés, les taux d'intérêt, la démographie sont quelques-uns des facteurs qui influencent le marché immobilier. Par exemple, une période d'inflation ou de rareté des propriétés exerce une pression à la hausse sur le marché immobilier. Les valeurs des immeubles qu'ils composent sont susceptibles d'augmenter de façon plus marquée. Pour plus d'informations, composez le 311 ou consultez le ville.québec.qc.ca/évaluation.